Bonjour à tous, bienvenue dans les 2 minutes du drone. Sur la dernière vidéo, je vous ai parlé du concept de résolution. Dans cet épisode, je vous propose une méthode de calcul pour estimer la résolution. Nous avons vu dans la vidéo précédente que la résolution dépend de la distance entre l'objet et l'appareil photo. La résolution dépend également de deux caractéristiques du capteur, la distance focale et la taille du pixel. Plus la distance focale est longue, plus la surface photographiée se réduit, ce qui améliore la résolution. Quand on prend une photo, chaque pixel va imprimer un fragment de l'image globale. C'est la taille réelle de ce fragment qui va nous donner la résolution. Que la photo soit prise à la verticale ou à l'horizontale pour une façade, ça va être le même principe. En résumé, pour prévoir la résolution d'une photo, on a besoin de trois choses. La distance focale exprimée en millimètres, alors c'est la vraie distance focale, pas l'équivalent format 35 mm. La hauteur de vol, souvent exprimée en mètres, hauteur de vol ou distance horizontale à l'objet. Et enfin, la taille du pixel, généralement exprimée en micromètres. Donc on fera bien attention au mélange de toutes ces unités puisque la résolution veut en plus la calculer en centimètres par pixel. Donc ce que je vous propose pour mettre en relation toutes ces grandeurs, on va utiliser un modèle géométrique très simple qui va nous permettre l'application du théorème de Thalès. La taille du pixel divisée par la résolution, c'est égal à la distance focale divisée par la hauteur de vol. Donc de cette égalité, on en déduit que la résolution, c'est la hauteur de vol multipliée par la taille du pixel divisée par la distance focale. Ou si on cherche une hauteur de vol pour atteindre une résolution donnée, on a hauteur de vol égale à résolution fois distance focale divisée par la taille du pixel. Donc pour appliquer ce modèle, on a besoin de connaître les distances focales et les tailles de pixels. Je vous ai mis l'ensemble de ces données pour les principaux appareils connus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode des 2 minutes du drone.